Canal ce soir. Oui, je vais tenter de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais jamais réalisé, que je vais réaliser en direct avec tout le monde, que je vais tester. Donc, moi, j'aime bien me lancer des challenges. Donc, honnêtement, j'ai jamais testé la recette. D'accord. Franchement, là, je vais tester en direct. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est la faute de Dany. C'est la faute de moi-même. Oh bon, ok. C'est bon. Tout est ma faute. Et puis donc, à 21h10 environ, donc, on aura justement Luciana qui sera avec nous tout à l'heure. Donc, pour parler un petit peu de sa petite nouveauté qui arrive. Justement, on salue Benjam de TBK La Prod. Voilà. De passage. Également, ça sera tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais maintenant, notre rubrique préférée avec notamment les offs de Dany. Votre rubrique préférée débarque, les offs de Dany. Au secours, j'ai peur. Alors Manu, comme on connaît pas l'émission, les offs de Dany, en fait, c'est également pour les personnes qui les écoutent actuellement sur les diverses fréquences de la radio Créole FM ce soir. Donc les offs, c'est-à-dire que Mi balance tous les offs des coulisses des émissions. Mi enregistre tous les... Mi rend ça public, en fait. Et c'est quoi les offs ce soir? Les offs de ce soir, d'ailleurs. Donc, Nena, 5 offs. Nena, 5 offs et notamment une surprise. Hein, le cinquième off, c'est une surprise, d'ailleurs, que nous va écouter dans un instant. Donc, la première off de l'émission, d'ailleurs. Donc, le premier off de ce soir. Donc, c'était dimanche dernier sur le plateau de la télé avec les 100 000 euros. Yannel qui dénonce les faux voyages de Dany. On s'écoute ça et revient juste après. Parce que comme l'année prochaine, ça fait incroyable talent. Ah oui, ça sera incroyable. Faut gagner les 100 000 euros. C'est un moment. Ça va, vous gagnez 100 000 euros. Pas bon, ils sont même, oui. Alors. Toute bonne faux voyage au Facebook là. On va voter au fait. Parce que t'es Miami, New York, on va voter. Hein? On est là, il faut pas mal bien. Je ne sais pas où il a réussi à manquer de l'actualité. C'est mon famille que je prends pour moi. Alors Anaël. Au fait, oui, enregistre à nous en cachette. Ouais. Ah bon, c'est illégal. Non, c'est pas illégal. Ça s'appelle les offs de l'émission. Ça c'est la première off d'ailleurs. Donc on l'a vu. Hein, donc c'était sur le plateau de la télé. Il y a pas que le Anel qui déconne de temps en temps. Que la moukata main d'ailleurs. La moukata ou. Voilà. Et nous là surprend une conversation avec Leslie d'ailleurs qui nous raconte son planning de sommeil. On fait un petit coucou quand même à Leslie, on s'écoute ça. Oh la pomme. Oh la pomme. Tu vois que j'avais mangé le midi là, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Je dors quand j'ai un coup de barre, je fais une sieste pour dire que je me repose, mais je fais des siestes de 20 minutes, une demi-heure. Ah ouais. C'est comme ça alors. J'arrive pas à dormir plus que ça la journée. C'est où le sauvage? Eh ben c'est les offs. C'était sur le plateau de la télé dimanche dernier. Bah on s'amuse un petit peu quand même dans cette émission. Hein. Il faut bien. En fait, on enregistre à nous. Mais nous, nos pensées, écoutez, enregistre pas nous en fait. Écoute, alors Mi va dévoiler justement qui ça l'enregistre ce soir. Donc c'est avec la complicité de Flo. On salue quand même Flo de passage. Mais ça allait grave. Mais t'es persuadé que nous n'étions pas enregistrés. Eh ben non. Bon, eh ben Dany. Non. Oui. Dany et Annaëlle, bonne soirée. Alors, pourquoi où ça va Manu? Tiens, Manu la peur. Manu la peur. Allez, troisième off d'ailleurs, c'est avec Leslie, Nena, 2-3 semaines de ça justement, donc lors d'une émission Tropical Night Live Tour. Donc Leslie, justement, qui articule très très bien comme il faut. On s'écoute ça. Est-ce que la caméra fonctionne? Bon, mais il avec la petite console. 1-2, 1-2. Donc. Et bon là. Si elle est bon. Ils entendent bien. Mais est-ce que la caméra fonctionne? Non, mais vraiment, c'est une vraie question.
Ah, t'as vu hein, comment il s'y articule très très bien, en fait, s'il demande si la caméra il fonctionne. Non, franchement, Dani, ouais, mais grave. Bah écoute, hein, on n'est pas au bout de autres surprises également. Quatrième off, d'ailleurs, donc Leslie parle Halloween et elle imite bien quand même Grand Mécal. On s'écoute. Et ben ce soir, je vais parler d'Halloween. Ah. Mmh, j'adore Halloween. Halloween. Des bonbons ou un sort. Comment tu fais? Des bonbons ou un sort. Ouais, c'est, ça fait Grand Mécal. Ah, t'as vu, hein, Leslie est dans le move quand même. Hein. Bon, allez. La pauvre Leslie. N'a que pour elle ce soir. Non, mais il n'y a pas que pour elle ce soir, parce que ce soir, on va faire le bisoutage de Manu, justement. Cinquième off, ça sera sur Manu, justement. Nous va dévoiler ce que nous l'a fait, justement. Donc, le cinquième off, d'ailleurs. C'est une inédit. Quand nous t'époux fait le point, justement, sur une rubrique de la note culinaire. On écoute. Alors ce soir, elle va faire la mayonnaise en direct. La note culinaire. Elle a fait changer alors, c'est plus de cappuccino. Non, cappuccino en fait, mais elle fait le 6 décembre au studio de la télé. Parce que moi, d'accord, j'ai goûté moi le cappuccino, mais c'est bon, hein, il fait bave de monde. Donc voilà. Non, mais sinon ça, voilà, donc Mathilde écoute le 6, voilà, elle fera ça sous hypnose le 6 décembre. On va nous goûter. Oh, si on a game mal au ventre, c'est pas grave. Mais au moins, voilà. Et sous hypnose. Sous hypnose, on peut gagner mal au ventre. Oui, oui, ben, en fait, oui, c'est ça. Il peut gagner aussi la gastro. On ne rappellera plus. La gastro. Non, mais imagine, oh, une hypnose Annaëlle. On dit, bon, Annaëlle, maintenant, on est dans la gastro. Ben, laisse un peu les traces, quoi. J'adore. Mal au ventre. Merci Dani. De rien, c'était les... Alors, attends, c'était les offs. Votre rubrique préférée débarque, les offs de Dani. Au secours, j'ai peur. Voilà, juste pour continuer. Ouais, là, j'ai peur grave, là, parce que franchement, mal au ventre, sous hypnose. Combien de fois m'a fait la note culinaire ou l'a eu mal au ventre? Jamais, jamais. Mais ben là, voilà. Ça sera sous hypnose maintenant. Je sais pas. Mais les sueurs qu'à soi, mais ça rate ma mayonnaise à cause de où? Donc, les gens qui écoutent à nous, si ma la rate ma mayonnaise ce soir, c'est à cause de Dani. Non, mais faut pas prendre comme ça. La rubrique Tropical Girl avec Manu. Manu, ça va ou les fâcher? Ça y est, mais ça prend des tisanes, saisissement, lui revient. Allez, la note culinaire avec... Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. C'est quand on veut, hein. Et mon petit musique. Ah, petit musique, ah, c'est ça, on parle, ça. Non, attends, Dani, elle est trop forte. Ah, moi, m'a jamais fait gagner mettre à ou un musique pour moi avant, mais Manu l'a gagné. Voilà la crise de jalousie. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Alors, Annaël, rien à voir avec le fruit de la passion de Francky ce soir. Dans la rubrique Tropica Girl, c'est Dani, si je te dis. La vie est courte, vis tes rêves et partage tes passions. Tu me dis quoi? La vie est courte et tu partages tes passions. Bah écoute, vis tes rêves et partage tes passions. Oui, et je te dis quoi? Tu me dis quoi? Bah fruit de la passion. Non, Dani. C'est sérieux. Bon, nous va démarrer par les femmes d'ailleurs avec Annaëlle. Hein? Allez, Annaëlle. Retourne et renvoyons le bébé tout de suite, Annaëlle. Ah oui. Attends, on va commencer par les femmes. Le gay full pali. Alors, répète un petit coup, Manu. C'est quoi? Alors, si je te dis que la vie est courte, vis tes rêves et partage tes passions. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à tes passions?
vis mes rêves, partage mes passions. Il y a une passion, tout le monde qui connaît, qui suit vers moi depuis le début, c'est la musique. Donc, vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. On me dit en régie qu'il y a Francky Vincent qui appelle. Ouh là là, ben, je le prends direct. Hein. Ouh, chaud, chaud. Dany ? Oui ? Alors, peux-tu répondre à la question, s'il te plaît ? Ah ouais, parce qu'en plus, je dis s'il te plaît. Alors, mes passions. Incroyable talent. Alors, non. Alors, mes passions, c'est faire des off. C'est faire des off. Mes passions. Oui, c'est faire des off. Manger. C'est faire des off. Ah, je veux manger. Non. Si, c'est manger. Non, c'est pas manger. Pourquoi ? Si je te dis tutu. Tutu. Non. Annelle fait bien le geste. Ouais, ça aussi. Tranquille, c'est bon. Ouais, si vous voulez. Et dans un instant, on va préparer la mayonnaise. Voilà. Écoute. Non, j'espère alors. Que la mayonnaise va monter. Hein. Voilà, ou le dakatine d'ailleurs. Big dédicace à Fabelle. Alors, du coup, une passion, c'est les off. C'est faire des off. Bien mieux, on m'a fait des off. C'est une passion. Les femmes. Ouais, les femmes. Sa passion, c'est les femmes. Également. D'ailleurs, si ça tu veux participer à la rubrique de Manu, ça, tu peux appeler sur le standard 06 93 488 996 06 93 488 996 également. Si ça tu veux texter 06 92 170 862 06 92 170 862. Voilà. Ouais, deux passions donc les offs et les femmes. Oui, surtout les femmes. Voilà. Ouais, que l'utilise pour faire ses off. Voilà, c'est ça. Ouais, t'as vu, hein, il marche pas. Que l'utilise pour augmenter sa notoriété aussi. Voilà, et tout à l'heure, nous l'étions en coulisses d'ailleurs, donc effectivement, Annaëlle a dit comme ça, Dany, je t'utilise aussi également pour ma notoriété. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, chacun utilise l'âne, quoi. Alors, en attendant l'appel de quelqu'un, là, je propose de lancer un petit jeu, Dany, c'est ça ? Ouais, si vous voulez lancer un petit jeu. Ah ouais, mais attends, Manu, quand même, il rigole pas, hein. Il lance le jeu tout de suite, bien. Ah ouais. Alors, si quelqu'un il veut gagner donc son sapin pour Noël, hein, c'est parce que c'est bientôt les fêtes, hein. Donc un sapin naturel chez Henriette Fleur ou un coffret beauté avec Floria coiffure et déesse du Niagara ou une trottinette électrique ou un bon d'achat chez Mel Boutique. Pour tenter sa chance, il faut donc envoyer Noël au 80-90. Noël au 80-90. C'est cool ça. Oui, c'est. Des cadeaux comme ça. C'est ça, donc ça, tu peux tenter. Ou les généreux, Dany. Hein, c'est quoi, dit ? Ou les généreux. Bah oui, hein, parce que la dernière. Alors, il faut savoir que dimanche dernier, Annelle n'a pas eu son sapin, mais elle a eu son gros bouquet de roses. Ah. Non, j'ai eu ma composition, ma composition florale. Florale. C'est ça. Florale de Henriette Fleur qui, au bout d'une semaine, est toujours sur la table de ma véranda. Mm-hmm. Donc, bon, qui commence à défraîchir, mais qui est toujours là. Donc, franchement, bravo parce qu'au bout d'une semaine, voilà, c'est resté quand même sous ma véranda. Et il est vrai que m'a l'avait dit Dany que voilà, elle y donne tout le temps, tous les autres animatrices, cadeaux, fleurs, etc. Et après, ils ont dit, oui, mais tout le temps, mettez-en aux fleurs, mais on ne veut pas prendre, etc. Gnagnagna. Oui, mais là, pour une fois, une composition florale, mais tu peux prendre. Hein, c'est pas tout. Tout le temps, il ne veut donner à moi qu'une seule rose. Bah, écoute, c'est toujours un truc. Hein. Attends, Non, c'est mieux que rien, Naël. Comme il dit, c'est le zeste qui compte, mais et composition florale, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir. Tout le monde a eu l'occasion d'avoir, sauf moi. Donc, alors, mais peu raconte à Zod d'ailleurs, parce que quand nous l'étions sur le plateau de la télé, alors Manu, juste parce que nous faisons une petite parenté quand même là-dessus. Mais on fait beaucoup de parenté, moi. Hein. Voilà. Parenthèse plutôt. Hein. Une parenthèse, comme on veut. Alors, sur le plateau de la télé, Midi Bon. Voilà, une aparté, voilà. Donc, sur le plateau de la télé, Annaëlle, Midi Bon, allez, Flo, bah, on va repartir justement avec la composition florale. Côté, Annaëlle, regarde-moi la fusil à main avec le regard, mon noir. C'est moi la partie avec.
La fusion avec le rodard, elle a dit, bah écoute, bah, c'est comme ça, ok. Moi, décembre, il arrive là, elle me dit, si on est frais, il regarde la télé ce soir, hein, s'il regarde, voilà, moi, décembre, fait péter. Ah oui, maladie fait pète, la composition florale la plus jolie, comme ça, au moins, mais ça va avec. Ben, du coup, ben, elle a parti avec celui du mois de novembre. Hein. Donc... voilà. Donc, Manu, on l'a vu, hein, conseil est en haut, hein, t'as vu, ça faut physiquement, ouais. Par le regard, par le regard. Ben oui, c'est moi la première quand même, donc c'est moi la pionnière. Oui, tu veux, tu veux, tu veux. Et non, c'est pas si il veut, c'est la vérité. Non, si vous voulez. Non, mais voilà. Dani, oui, contrarie pas elle, Alissa a fait son recette d'un instant, contrarie pas. Oui, dans moins de 30 minutes. C'est la mayonnaise, là, pas montée, c'est de faute, maladie. C'est ça, voilà. Surtout que moi, j'ai jamais fait de mayonnaise de ma vie. Donc, s'il a pas monté, mais jure, hein, Dani, s'il a pas monté, c'est de faute. Hein. Ah non, c'est pas ma faute. Moi, j'ai jamais fait. Donc, la première fois, franchement, c'est les gens qui rejoignent à nous à l'heure actuelle. Tout à l'heure, mais ça teste une recette que Mala jamais fait. Donc voilà, on verra bien. Et du coup, nous l'a dit. Bon, on a parlé des passions de Annelle et moi, mais Manu, c'est quoi tes passions? Oui. C'est quoi ta passion? Alors j'en ai beaucoup, mais je suis très gourmande. Mmh. Je le reconnais. Ça se remarque pas. Dani, calme-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu dis rien? Dis-moi, calme-moi. Non, mais bon, voilà. Non. Et j'ai une petite, un petit plaisir, c'est les guêpes. Les guêpes frites. J'adore. Ouais. C'est bien, voilà. Ça. Mais allez dire que à ce côté, il y a la piqûre de guêpes. Piqûre, non. Je n'aime pas trop piqûre. En général. Écoute, en plus aujourd'hui, Mala tente à moi à enlever un nid-guêpe à côté de ma case, enfin sous ma véranda. Donc du coup, il explique pas où, comment cap l'aventure hein, quand Mala essaye de tirer le nid-guêpe. Hein. Mm. Donc. Qu'on l'a fait avec après. Non, mais t'es un petit nid-guêpe, donc il n'avait pas rien dedans. Donc voilà, c'est juste, voilà, il n'avait pas rien dedans, donc du coup, il dit bon. Moi, elle n'est pas trop fan de guêpes, de larves de guêpes, ou autre. On va dire ma bichie qui m'aime bien, mais larves de guêpes, c'est pas trop mon truc. Mais non, voilà, mais il tombe bien, en plus, aujourd'hui, mal à tenter. Mais voilà, t'avais quand même haine de guêpes dessus, donc m'explique pas comment m'avait peur que t'es piqué à moi, hein. Ouais, guêpe frites, c'est mon petit péché mignon, entre autres. Tout le monde chez le chocolat, il sait guêpe. Ben ouais. Ben écoute, chacun aime son chacun. Son plaisir. Ah, exact. D'accord. Bon, on va t'offrir des guêpes pour Noël. Ça, c'est fait. Ah, avec plaisir. Et il s'est chassé lui-même. Il s'est chassé lui-même. Ouh là là. Et à son aise. Elle nous prend une caméra, nous suive à lui. Hein. C'est clair, il faut filmer à lui. Bon, sinon, là, le parc lapin. C'est moins glamour, Dani, quand même. Hein. C'est moins aventurier, là, tout d'un coup. Bah oui. Bah, Dani, écoute, oui. Pas des choses qui fâchent, s'il te plaît. Toi-même, tu sais. Comment tu vas parler le parc lapin? Pourquoi? Mais c'est bien, ça, pour Noël. Mais écoute, moi, je mange pas de lapin. D'accord. Mais par contre, je fais une big dédicace à Fabelem qui adore les lapins. Oui, ne va. Quand même, tu sais. Bon, voilà, ça l'a tout compris. Hein. Nous reste quand même de la confidence. Hein. Mais bon, voilà. Manu, du coup, donc là, nous parle des passions, effectivement. Et où la pointe une passion pour la radio, en particulier ou... Parce que. Une passion secrète alors. Ouais, ça c'est une passion secrète ça, pour la radio. Hein. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Bon. Faut rien dire. Vaut mieux pas dire tout. Hein. Non, dis pas. Voilà. Et également, on est très réceptif à l'hypnose. C'est ça. Hein. Ah, elle va être là avec nous. Oui, le 6 décembre. Oui, le 6 décembre, elle sera avec nous. Ah, bah, au moins, il sera à moi tout seul. Voilà. Non, c'est que Dani, en fait, il veut faire son bizutage le 6 décembre. Et comme effectivement, elle est très réceptive à l'hypnose,
il risque d'avoir des gros soucis sur le plateau. Donc on va éviter. Prépare-toi, hein, parce que moi, m'y goûte, moi. Hein, attends, mais il y a une requête. Il y a Adrien et Hello, que l'a commenté, l'a dit. Un coucou à Zod par le pouvoir de Solar Moon, tchik tchik bam bam. Ah, les regarde. Les regarde ce soir. Coucou. En tout cas, Adrien. Mon Adrien. Justement, on est en train de parler le 6 décembre d'ailleurs. Donc, Adrien, le 6 décembre, donc, il sera avec nous justement pour l'émission Sous Hypnose. D'ailleurs, on va voir Anaël sous hypnose également. Hein, donc, c'est du jamais vu quand même dans cette émission. Avec trace. Voilà. C'est pas du jamais vu. Tout le temps, ou Pougade, c'est pas la première fois qu'il voit un moi sous hypnose. Non, mais Adrien, ça sera la première fois quand même. Ouais, Adrien, oui. Adrien, mais bon, je le connais bien, donc du coup, voilà. Il va tout comprendre. Mais vous connaissez, mais essaye justement, mais ça, bon, ça sera aussi avec Thomas Hansens qui sera avec nous également, donc l'hypnotiseur. Il faudra quand même l'effet Mitao. Adriana. Non, il ne fait pas imite à moi rien, Lila. commence pas à mettre la couillonise dans la tête. Alors, moi, de toute façon, ma fille prépare l'émission d'ailleurs. On a du lourd qui arrive. Mais il ne dévoilera pas tout, hein, quand même. Dans... Bah oui, il ne faut pas. On l'a vu, Manuel, on l'a vu comment Daniel est en traite. Oui, effectivement. Ouais. En pleine réflexion, là. En pleine réflexion pour venir le 6, ben écoute, hein. Nous les complètement écoute, banjo. Si vous la fin donne notre aval, Lee, vous connaît, hein. Ah oui, ouais. Parce que, alors, Ferriao, parce que justement, on traîne par l'hypnose. Alors, il y a Adrien qui dit oui, mais regarde Zadot, il m'a un peu ça. En fait, il y a un peu l'hypnose, Adrien. Non, il faut bien pas. T'as bien raison, avec Oudou, il a raison. Si, il a raison d'avoir peur avec Dany. Avec moi. Alors, Milena, la même. Il ne faut pas avoir peur. Alors, Milena, il ne faut pas avoir peur, Adrien. Mais il sera là. Il sera là pour protéger ou pas le pouvoir de Sailor Moon, de tout ce que vous voulez. Il sera là pour protéger ou même si moi, il sera sous hypnose. Ce sera compliqué parce que Lilagay fait chanter un moins faux. Donc, il peut très bien faire n'importe quoi. Peut-être que ce sera moins le Esteban. Ça, Dany, hein, ça ouvre. Ouais, ça c'est bon, ça. Ah, là, Adrien qui dit il stresse à moi déjà. Ouh là là. Non, mais au fait, Dany rêverait d'être Esteban. Il sera jamais Esteban. Tchik, bam, bam. Alors, peut-être pour le 6 décembre, il sera Esteban. Hein, donc, on va voir moi en Esteban. Écoute. Là, pas besoin de dire Thomas, fais croire à mon Esteban, hein, parce que là, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Jamais, ça fait croire à moi qu'il est Esteban. Hein. Alors, on peut dire en direct que l'a fait déjà croire à vous que l'avait le chanteur du groupe Scorpion qu'il était là. Oui. Alors, hein. La même fait cause à moi, martien. La même fait croire à moi que m'y peut parler martien. Oui, m'y peut dire aussi en direct. Voilà, c'est ça. Mais par contre, fait croire à moi qu'il est Esteban, non. Il ne pourra pas. On va gagner. Non. Il y a Sonia qui dit. I don't know. Alors, Adrien, elle a dit moi aussi, il ne vient plus. Non, Adrien, non, c'est bon, tu viens. Voilà, c'est fait. Le film confirmé. Voilà, on a fini d'annoncer qu'on vient le 6 décembre. Il y a Sonia qui dit bonjour, bonsoir, la team Tropical Night. Bienvenue, Manu. Donc, Sonia, bonsoir, c'est notre collègue. Sonia, merci. Voilà, que connaît déjà d'ailleurs, donc plus la peine de te présenter à vous, hein, quand même. Oui, Sonia, elle connaît tout le monde. Voilà. Sonia connaît tout le monde. Sonia, voilà, donc Sonia, j'espère que pour le 6 décembre, tu vas faire danser Manu sous hypnose, hein, hein, s'il te plaît. Ah, ben ça, pas besoin d'hypnose, ça, Dany. Manu danse tout seul. Manu danse tout seul, d'accord, ok, chou. Il marche tout seul et il danse tout seul. D'accord, ok. Bon, Sonia, on l'a vu, hein. Donc Sonia, il faut préparer quand même une petite, voilà, une petite séance de concentration sur la danse, hein. Donc voilà, 20h38, dans un instant, dans moins de 2 minutes, donc on fait une petite pause musicale quand même, le temps que Anaël prépare pour la note culinaire à 21h. C'est ça? Oui, mal à peur, franchement. Voici la moutarde, là, elle n'a pas monté, là. Mal à honte, mais ça a gagné devant tout le monde. Alors, attends, bouge pas. M'appelle une personne qui est spécialiste de la mayonnaise. T'abuses pas. Que les spécialistes de la mayonnaise, attends, bouge pas. M'appelle elle.
Leslie spécialiste. Elle s'appelle Leslie. S'ils répondent. Ils répondent pas, allez. Leslie. Votre correspondant. Bon, il répond pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. C'est pas grave. T'inquiète pas. Peut-être tout à l'heure, il va rappeler. Il va rappeler. Elle rappelle toujours. Elle rappelle en direct tout à l'heure. pardon. Du coup, Anaël. Et oui. Manu. Oui. Néna Sonia, allô, allô. Ah, oui, Néna Sonia qui dit Adrien, en tout cas, on va bien rire, j'ai hâte. Adrien qui dit bisous à Manu, aussi j'oublie les bonnes manières et gros bisous aux autres deux. Merci Adrien, bah oui. Bisous aussi à toi. Bisous. Non, mais pas d'accord, moi, Adrien, depuis qu'on fait pas moins bisous. Par contre, tu entends moi. Il veut entendre bisous Anaël. Pas bisous Manu. Anaël. Mais elle flotte, arrête un coup. Non, mais elle est jalouse. Non, mais attends. Faut partager dans la vie. Non, elle est jalouse. Elle est anormale, elle est pas normale. Puis il fait pas mon bisou. Non, mais attends mon bisou, Adrien. Tu m'as pas gagné mon bisou là. Viens, waouh, à soir. Ah, ben bah, bon, ça. Hey, alors, sinon, alors, du coup, là, on connaît ce que nous peut faire. Quand Anaël a fini, la note culinaire, donc de toute façon, nous fait l'émission par Zoom d'ailleurs. Donc, faudra aller déplacer elle justement, donc jusqu'à Adrien, chez Adrien d'ailleurs. Vous connaissez ici à Babi. Il y a Marie Céline qui dit appelle Maroni. Ah, peut-être. Non, mais moi, peut-être. Je stresse. Hein. Si ma mayonnaise monte pas, là, je stresse. Hein. Alors, Sonia. Ça fait honte à moi devant toute la réunion, là. Sonia qui dit avec c'est plaisir, clair. Danse Panty. Adrien qui dit, ôtez ma peur. Ah, ben là, on connaît. Hein. Là, sous la peur d'Anaël, là, effectivement, vraiment, la peur. Hein. Ah, ouais. Sonia, est-ce que tu es spécialiste en mayonnaise, toi? Dis-moi tout. Eh, hey, mais on connaît, elle est peu spécialiste de la mayonnaise. Parce que, tu vois, il fait tadam, tadam, tadam. Non, assez que ça là. Déjà, ma lapoustre, c'est mis qu'on est passé ma recette, ça passait à soir. Première fois, il fait une note culinaire où il stresse comme ça autant. Alors, il y a Rudy qui dit bisous à Naël, moi midi. Ah. Bisous, Rudy. Bon, ben tu vois, Naël, un partout. Alors, Naël, pense à moi. Rudy. Alors, il y a Adrien qui dit gros bisous d'amour à Naël, ou t'es déconne chez moi ou. Ah, ça y est. Enfin, j'ai eu mon bisou. Corona tout de suite. Non, quel corona. Oui. Ah, non, je plaisante. Même, c'est corona, quoi. Je plaisante, voyons. Je plaisante. Hein. Allez, alors, du coup, nous, on veut. Alors, il y a une personne qui dit on veut entendre en aller chanter. Ah. Allez, chante un petit morceau, t'es déconne sur moi. Il y a Nina qui dit bisous à toutes. Ah, salut Nina. Salut Nina, bisous à toi. Alors, du coup, Manu, vous connaissez Anaël, c'est une chanteuse. Oui, une grande chanteuse de l'île de la Réunion. Voilà, c'est une ça. Une grande, quand même pas. Elle nous aime bien, nous, le petit morceau où tu déconnes sur moi, avant de nous marquer la pause. Allez, chante un petit morceau où tu déconnes sur moi, après comme on a le dos tout année. Attends, mets-toi de mon dos. Là où me chante ça, ou là. Ah, ben, une personne a dit, me connais pas, les inconnus. Alors, attends, attends. Mal a pas compris. Donc du coup, il y a une personne là demande la chanson, c'est ça? Oui, il y a une personne, et il y en a aussi Marie Céline qui dit c'est Maroni qui fait bien mayonnaise. Ah bah écoute, hein, moi juste. Maroni fait bien la mayonnaise. Moi je sais pas, hein, peut-être que Marie Céline. Alors Marie Céline, appelle-nous en direct d'ailleurs. Non, comment tu sais ça, toi? N'y pense que ce soir, ma mayonnaise va être scrutée par beaucoup de monde. Mais elle n'a jamais eu autant de stress pour faire une note culinaire que ce soir. Ah. Je confirme, Maroni fait très bien la mayonnaise. Ah, et comment tu sais ça, toi? Eh ben, t'as vu comment il bouge son tête, là. Allez, Anaël, à toi de jouer. Je chante, c'est ça? Oui. Alors, Mina Nviation, d'ailleurs, Anaël, il y a Manu qui joue de la flûte également.
tu vois. Donc elle y peut faire, elle y peut faire la version flûte avec toi. La version où t'es déconne sur moi en flûte. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, pas mal. Non, je joue effectivement de la flûte, mais j'ai dit à Dany que mes instruments étaient rangés, donc il va m'oublier pour ce soir. Ah. Ben ma corde vocale est rangée aussi, non, je rigole. Non. Déstresse-toi, on allait faire monter ta mayonnaise, Naël. Allez, vas-y. Ouais, faut que c'est pas moi qui oublie, Jao. Hein. Écoute, heureusement, c'est Manu, c'est pas où, parce que si c'était où, mais t'es chante pas. Hein. Ah, bah écoute. Vas-y, Naël, vas-y. Hey, attends, vas-y. Attends, on va pétir en direct. Non, on n'appelle pas le boss, là, s'il te plaît. Évite non, ça. Je plaisante. Allez, on t'écoute. Ah, mais chante vraiment alors. Ah okay. Bah écoute. Fais pas rire, moi. Où t'es déconne sur moi, t'as que dalle de tourner, et sera sans moi. En amour, moi, l'a trop donné, et même malgré moi. Déconner dans mon cœur, on aura toujours un petit pensé pour te faire. Oh, ah. Où t'es déconne sur moi, Dany, t'es que n'a le dos tourné, sera sans moi. En amour, moi, l'a tout donné, et même malgré moi. Déconner dans mon cœur, on aura toujours un petit pensée pour te faire. Oh, ah. Où t'es déconne sur moi. On nous dit, voilà, merci en tout cas, Naël, pour ce soir. Il y a des personnes de Miami qui t'applaudissent. Alors, il y a Nina qui dit Marie-Céline, appelle Banaté. Marie-Céline qui dit on a déjà mangé sa mayonnaise. Eh ben, dis donc. Maman, ils ont dit stress en mayonnaise. Arrête, parle. Alors, il y a Rudy qui dit elle chante bien et son dernier clip est magnifique. Franchement, bien joué. Ah, bah écoute, Rudy, bah. Effectivement, hein. M'a eu l'occasion de voir le clip, hein, première rencontre d'ailleurs que ne peut retrouver à la télé également, hein, donc sur également sur YouTube, hein, donc voilà, et puis donc et sur l'album. C'est ça. Bah d'ailleurs, ce que m'y propose à saute, c'est de faire une petite pause jusqu'à 21h et nous retrouvons en télé dans un instant. C'est bon. Et ça fait la mayonnaise, mais stress. Voilà, la note culinaire avec Annelle dans un instant. Allez, à tout de suite sur Créole. Sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Night. Chez Henriette Fleur à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptême, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87. Besoin de prendre soin de vous, de vous embellir, mais surtout passer un moment agréable avec notre esthéticienne. Contactez Ambre Esthétique à Saint-Denis et vous resterez avec le sourire. Appelez au 06 92 72 23 41. Mel Boutique à Saint-Joseph vous propose des tendances de vêtements hommes et femmes, chaussures et accessoires à petit prix. Une nouveauté de votre magasin, la livraison par envoi postal est désormais disponible. Appelez-nous au 06 92 94 78 61. 94 78 61. Créole FM. Créole FM. Écoute ta voix.